soir. Guillaume Gomez, je suis le chef du Palais d'Élysée et je suis parrain de la semaine So French, So Food ici pour la 5e édition en Israël. Ça se passe très bien. 22 chefs répartis sur 6 villes d'Israël, dont une grosse délégation de chefs alsaciens avec les étoilés d'Alsace et un maître boulanger ici à Tel Aviv. Et tout se passe très bien avec différentes opérations, des chefs en résidence, des opérations caritatives, des masterclass et également ce soir à Tibériade, un dîner pour la paix. Alors là, vous n'allez pas voir grand-chose parce que tout est parti de l'autre côté. Mais donc Dan, je ne sais pas si où est Dan, mais Dan qui est le chef de la résidence de l'ambassadeur de France ici, de l'ambassadrice à Tel Aviv depuis plusieurs années. Donc c'est lui qui est en charge de la préparation du repas de ce soir. Et depuis 3 ans maintenant, il y a des régions françaises sont mises en avant. On a eu la région Rhône-Alpes il y a 3 ans, on a eu l'Occitanie l'année dernière. Et cette année, c'est la région Alsace. Donc il y a des chefs alsaciens, il y a Hubert Metz et puis Armand Roth qui est ici, qui travaille avec Dan depuis 2 jours, 3 jours, sur la préparation des spécialités de ce soir. Donc ils ont fait du foie gras d'Alsace au Riesling, ils ont fait des sautés, ils ont fait des spätzle, ils ont fait tout un tas de spécialités régionales pour mettre la gastronomie alsacienne en avant ce soir ici à la résidence de l'ambassadeur de France. Voilà. Il voudrait vous, allez, je vous présente. Ils ont bien appliqué toutes les consignes, les recettes sont bonnes. Et donc, on essaye un peu d'exporter notre cuisine alsacienne dans un pays qu'on est en train de découvrir. Et grâce à la culture de Dan, c'est relativement facile. Ça n'est pas mon premier voyage en Israël, c'est déjà mon 4e voyage. Et je trouve qu'on a beaucoup de points communs avec Israël. D'abord parce qu'il y a une très grande communauté juive à Strasbourg. Et donc on est habitué aux méthodes, aux choses et à l'ambiance israélienne un petit peu. Et moi ce que j'aime ici, c'est que c'est une ville qui est très créative, qui est pleine d'idées et pleine de peps et d'énergie et de tout ça. Et ici je me ressource vraiment et j'ai toujours envie de faire, de mes retours de voyage d'Israël, j'ai toujours envie de faire plein de projets. Ils adorent la France, les Israéliens. Plein de... Les Israéliens, ils connaissent très bien l'Alsace. La plupart des Israéliens, ils font l'Alsace avec la partie d'Allemagne de l'autre côté de la frontière. Mais oui, ils connaissent très bien l'Alsace, Strasbourg, Colmar, les musées de Mulhouse, ils adorent. Dès qu'ils font un peu du vin, il y a beaucoup de familles qui vont en Alsace pour les villages vacances. C'est un produit qui marche très bien chez nous. L'Alsace, c'est une magnifique région qui est une région avec des paysages merveilleux et en particulier son vignoble qui est très connu avec les Gewurztraminer, les Sylvaner, les Riesling, des très belles villes. Bien sûr, Strasbourg, la plus connue, mais il y a aussi Colmar, par exemple. Et puis, c'est une région au cœur de l'Europe. Donc, la destination Alsace permet aussi d'aller visiter l'Allemagne ou la Suisse, qui sont tout près. J'ai eu l'occasion de venir à plusieurs reprises, effectivement. C'est un pays que j'apprécie et je l'apprécierai d'autant plus lorsque j'aurai réussi à faire venir des milliers d'Israéliens à Strasbourg et en Alsace. Nous sommes ici avec mes collègues, avec la première vice-présidente Marie-Hélène Fischer, avec le directeur général Philippe Choukroun et les collaborateurs, dans une soirée initiée par l'ambassadrice de France en Israël pour promouvoir bien sûr les opportunités économiques et particulièrement ce soir gastronomique ou culinaire de la France, mais naturellement aussi de la région Alsace qui est invitée d'honneur de cette magnifique manifestation qui s'appelle So French, So Food. Et j'ai pu discuter ce matin, et hier d'ailleurs, avec nos chefs alsaciens qui sont complètement, séduits aussi, subjugués par ces échanges. Et ils sont très heureux d'être là. L'art de vivre en Alsace, la qualité de l'accueil. Et puis je voudrais rajouter encore quelque chose, c'est ce romantisme alsacien. On trouve l'Alsace romantique. Et je crois qu'effectivement, l'Alsace a ce pouvoir en fait, d'apporter une note nouvelle aux visiteurs et aux touristes.